Attends, c'est une bombe, ben oui, faut que je vous dise ça un peu. Y'a quoi et quoi? Allez, c'est y'a la santé, y'a les couches. Mais la main est sur la main, alors vous devez se noir avec les gars. Non, la main, vous lavez le main avec le bébé. Avec du savon. Ça, c'est les beaux jours. Ben, pour faire une bonne ménage. Un petit, qu'est-ce que tu fais? Le pain, c'est combien? 200 euros. Comment faire vos avec la sardine, la mayonnaise. Bon, pour un pain comme ça, là, il faut diviser en deux d'abord. Deux œufs. Voilà. Il faut combien? Deux œufs, ça va aller. Deux œufs. Que la sauce là c'est bien. La salle de poche de Tavani qui est sauce là, c'est ça que nous on fait tous les jours. Heureusement ils ont fermé le magasin. Vous êtes de l'Ouest. Ah, les gens de l'Ouest, ils savent chercher l'argent. Hein? Et après, les gens disent que non. Les gens, les familles, ils contrôlent l'argent. Mais voici alors, comment vous travaillez en route là, c'est qu'elle ne voit pas ça. Mmh. Quand Dieu va vous donner là, on va dire non, c'est mon coin. C'est le travail. Là, il a un comme ça, là-dedans. Tu vas voir comme ça, il a la famille, il a la famille, il a la famille, il a la famille. Le bois de bois, il est caché. Non, c'est un vrai homme. Ça, c'est un vrai homme. Tu sais, tu sais, tu vois, on doit le faire. Parce qu'on te aide quoi, c'est bien fait. D'abord, fais quelque chose. Moi, je me marie, je vais aller là. Moi, je faisais le bain skin. Oui. Et après, on voit maintenant la foi dans la vie. Oui, c'est ça. Il y a plus grande chose dans la vie. Il faut retrousser ses manches, travailler et Dieu bénit l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. On ne cherche pas la voie d'accord. Non, c'est ça que vous pouvez qu'on souffre, non. Tous ces gens sont partis dans la facilité, les mauvaises choses, le diable, les démons, les sectes. C'est nous maintenant en bas, nous qui souffrons, le pape. Parce que nous, on ne veut pas accepter ça. Si nous faisons accepter ça, c'est que les gens meurent tous les jours. Donc, ils font la norme, c'est là, ils ont le pouvoir là-bas. C'est ça dont avec tous nos dirigeants. Donc, on va donc faire comment? Dieu n'a envoyé aucun être sur terre qui souffre. Tout le monde a été né pour être bien. Personne n'est venu sur terre qui souffre. Personne. C'est ça que quelqu'un dit que la plus grande richesse d'un homme, c'est la santé d'abord. Ouais. Quand tu as la santé, tu peux travailler. Il y a une autre richesse qui est là. Oui, dans la tête.
tu as la richesse du Sida. La richesse n'est pas seulement d'avoir l'argent dans les poches. C'est bon, tu manges. Amidon, tu peux pouvoir avoir tout l'argent dans les poches. Que tu es riche. Amidon, Amidon, Amidon. Tu vas dire comment. Zéro. Wow. C'est comme emballer bien ça. Napoule, pour faire. Si je veux aussi faire ma part, c'est là. Le capital. Vous avez la salle de portière. Ça dépend de ce que tu décides. Ça dépend. Tu peux commencer avec 2000. Mais vous avez lancé ça avec combien? 15 000. Ah bon, hein? Ça paye. 15 000. Tu peux commencer avec 5 000, 2 000. Même ça, là. Même tout, c'est la persévérance. Aujourd'hui, tu vas vendre, mais tu ne vas pas vendre. Les choses en arrivent. Non, c'est un exemple qu'on prend. Aujourd'hui, tu vois, le tout fort se détruit souvent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Je n'ai même pas pu vendre 10 ans. Voilà. Le marché est dur. Ça peut te faire comme ça un mois. Ça, ce sont les exemples du bon Dieu. Donc, quand il va dire qu'aujourd'hui, c'est ton marché, pendant la semaine, si tu vas vendre tous les jours, il peut sortir à 6 heures, à 9 heures la tête. Oui. Ça sent bien. Comme tu sais, il y a les jours que tu sais, tu es de tout. Maintenant, vous avez la famille. La famille. J'ai 4 enfants. 4 enfants avec une femme. Des pains œufs. Pain, non, salut moi mon ami. Demi, ça dit ma honnête. Demain je paye alors, demain mon sac je paye. C'est... Ça ne manque pas. Tout c'est la foi, la persévérance. Un mec ça dit ma honnête. La facture c'est combien? 600 fois 2. Un mec ça dit ma honnête. Bon, moi je suis en train de partir là. Vraiment, je suis émerveillé par ce que vous faites. Vous voyez, j'ai un... Voilà, félicitations. Saluez votre femme pour moi, saluez vos enfants. Et que ça vous aide à améliorer votre commerce. Ok, félicitations. D'accord, merci à vous. Merci. Donc, voilà, nous avons surpris ce jeune homme. Il a 4 enfants et avec une femme et il va en pleine rue comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit encourager la jeunesse. C'est un exemple que nous devrons tirer de ce genre de personnes. Ça vous montre qu'il y a des gens qui connaissent la valeur de la dignité de personnes qui refusent de se vendre moins cher au diable, de vendre leurs âmes au diable, des personnes qui refusent de... d'entrer dans les sectes pernicieuses comme les porte-monnaie magiques qui chauffent ces derniers temps-ci-là pour se concentrer dans le travail de leurs propres mains. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour cet homme et que chacun tire la leçon qu'il doit retenir de l'expérience de cet homme. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse et nous pensons vous retrouver dans une prochaine édition de SOS. Que Dieu vous bénisse au nom de